s'installer quand même correctement. Bonjour les amis, comment ça va? Nous sommes le dimanche, ça c'est sûr. 8, ah oui, je devrais le savoir. C'est mon anniversaire de mariage et l'anniversaire de ma belle-maman. Ouh, sacrée journée en perspective. Dimanche 8 octobre, encore le matin. Et du coup, je ne suis ni apprêtée, ni coiffée, ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais en train de faire mon petit ménage du dimanche que je vais continuer. Je vous ai laissé hier un petit peu en suspense comme ça. Hein. Vous avez dit, mais où est-ce qu'elle est partie? C'est pas possible. On avait une petite... pour une des activités de ma grande, on avait une petite cérémonie à laquelle on devait assister. Et j'ai pas forcément filmé d'image déjà parce que, vous savez, hein, je montre pas trop les enfants, je parle pas trop des enfants, que ça soit dans les vlogs, que ça soit dans les podcasts, tout simplement parce que, j'ai pas forcément envie d'afficher les enfants sur Internet. Pareil, ils n'ont pas, eux, trop envie d'être affichés sur Internet, donc voilà. C'est tout. Et puis bon, en plus, il y avait d'autres enfants, d'autres parents, donc toujours un peu délicat de filmer dans ces... Voilà, quand il y a du monde et tout ça, quand ça ne concerne pas que sa propre famille. Mais bon, donc, on a fait notre petite sortie. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Ce qui fait que quand on est rentré le soir, il fallait vraiment se dépêcher de préparer un truc à manger. D'autant plus que nous étions du coup totalement affamés. J'ai même pas pris le temps de faire une vraie conclusion au vlog d'hier. Donc, je la fais ce matin. Donc, pour vous dire que c'était sympa. Alors, je regarde par ma fenêtre. Peut-être je vous aurais mis quelques images avant, mais en fait depuis ce matin je me suis rendu compte qu'il y a un groupe, je sais pas comment est-ce qu'on dit pour les oiseaux, une petite flopée de sansonnets qui a élu domicile dans le grand sapin des voisins. Et depuis ce matin, je les vois sur notre figuier, le figuier de nos voisins. Et ils sont en train de se faire une petite régalade. Sauf que moi, j'avais prévu de faire des confitures avec mes figues là pour ce mois d'octobre. Donc autant vous dire que ça ne me plaît pas trop. Alors, je pense que je vais aller un petit peu, mettre quelqu'un dehors pour monter la garde, je ne sais pas. Et je pense que je vais cet après-midi m'empresser de récolter mes figues. Je vais envoyer un petit message à nos voisins qui sont pas là, leur demander s'ils veulent que je leur en ramasse aussi. Histoire qu'on arrive quand même à en sauver quelques-unes, parce que là je sens que ça va fondre comme neige au soleil. Puis j'imagine qu'ils doivent prendre les meilleurs, hein, les bien mûrs. Ça commence à m'énerver cette histoire. Suite un petit peu plus tard. Oh, elle va de nouveau s'étouffer, non, c'est bon. Le deuxième objectif du jour, c'est d'accrocher ma merveilleuse couronne d'automne que j'ai trouvée donc chez le fleuriste, pépiniériste qui est pas très loin de chez moi. Et puis comme je trouve que c'est magnifique et comme c'est un fleuriste pépiniériste que j'aime beaucoup, enfin il y a vraiment de très très belles choses, je vais vous donner son petit nom pour ceux qui sont pas très loin de chez moi. Donc c'est en Moselle et c'est la maison Catelin au Ban Saint-Martin. Ils ont vraiment des choses magnifiques, vraiment vraiment magnifiques. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc je vais, mon objectif c'est de mettre aussi ma couronne, donc il faut que j'aille laver ma porte et que je fixe le petit crochet que j'ai pris. Donc vous avez été plusieurs hein, à me faire des retours sur ce que vous utilisiez pour vos portes. Et puis la fleuriste m'a conseillé cette marque, cette référence. Apparemment il devait y avoir une pub à la télé en ce moment parce qu'elle m'a dit « mais si la pub !» Et bien comme je regarde pas, alors nous on a une télé bien sûr, mais je ne regarde pas la télé classique, je regarde les chaînes de streaming et tout ça qu'on a, donc je suis pas trop experte des publicités, donc
Je voyais pas du tout ce qu'elle me disait, ce dont elle voulait me parler. J'étais là, non, je sais pas, je ne sais pas, madame, je suis désolée. Mais voilà, donc elle m'a conseillé ça à la fleuriste. Elle m'a dit que c'était ce qu'elle avait chez elle. Et bah, vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi, vous aviez pris cette marque-là chez 3M et la collection, enfin j'en sais rien, c'est commande. Donc voilà. Donc nettoyage de porte plus après donc fixation du bidule. Et puis on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison jusqu'à 500... Ah, jusqu'à 500 grammes. Je crois que c'était 500 kilos. Ah, 500 grammes. Je sais pas combien pèse ma petite couronne, mais là, d'un coup, je me dis, oups, j'espère que ça ira quand même. Bon, on verra. Bah, ça, non, mais comment j'ai pu penser que c'était 500 kilos? Je me fatigue, mais je vous jure, tout... Non, mais vraiment... Alors bon, non, là, j'allais dire, c'est encore mon problème de maths, machin et tout. Non, ça, c'est juste que j'ai lu beaucoup trop rapidement. J'espère que la couronne n'est pas trop... Parce que là, quand je la soupèse comme ça, c'est quand même bien lourd. Mais il y a également le petit machin en bois. Bon, bah écoutez, suite au prochain épisode, hein, je vous dirai ce qu'il en est. Si par hasard, ça ne marche pas, de toute façon, on a une autre utilisation prévue pour ce truc. Et apparemment, ça s'enlève assez facilement. Nous verrons ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai ma sœur et mon neveu qui viennent cet après-midi, donc il va peut-être aussi falloir que je prépare un petit gâteau. La petite dernière part à l'anniversaire d'une copine. En plus, elle a de la chance parce que la copine fait un anniversaire dans son club d'équitation. Donc, ma petite dernière qui, elle, adore les chevaux, mais qui, à l'année, ne fait pas d'équitation, et ben parce qu'elle fait d'autres activités et que ben, y a un moment, trois enfants, toi-même, tu sais, on ne peut pas multiplier ad vitam les activités. Mais en tout cas, voilà, elle est fan et elle aimerait vraiment faire de l'équitation. Donc là, elle est toute contente de savoir qu'elle va passer l'après-midi avec les chevaux, les poneys et tout ça. Donc, il faut la déposer là-haut. Et bah, au milieu de tout ça, si j'arrive à trouver quelques minutes pour me poser et tricoter, ça sera sympa. Donc, je propose de ne pas faire de point tricot là maintenant, mais de vous en faire un ce soir en espérant que je puisse revenir, non pas comme hier, vous dire « oui, je reviendrai clore cette journée de vlog » et vous laisser en plan. Non, non, on va faire ça, on va revenir tout à l'heure. Allez, hop, je pars au nettoyage de ma porte et je vous dis, à tantôt.
Alors, des choix ont été faits. C'est-à-dire qu'après étude, la belle couronne fait clairement plus d'un kilo. Donc, le crochet maxi 500 grammes et pas 500 kilos, n'est-ce pas Céline? Clairement ne sera pas adapté à la couronne. J'aurais pu m'en douter, mais bon. Du coup, on a recommandé un autre crochet. Cette fois-ci, je crois qu'il peut aller jusqu'à 2 kilos, quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce qu'il a pris, mon mari. Et celui-ci, on va donc s'en servir, car depuis... Bah, ça fait 12 ans que nous sommes dans cette maison, quasiment. Donc, depuis 12 ans, nous n'avons pas de petit crochet pour mettre la serviette de notre lavabo où on se lave les mains dès qu'on rentre dans la maison. Et la serviette est sur le radiateur, ce qui n'est pas terrible. Donc, voilà. Celui-ci aura donc une utilité. J'attends donc mon crochet et je pourrai enfin fixer ça, mais j'ai trop hâte en fait, c'est vraiment dommage. Bon, en attendant, cette journée n'est pas perdue puisque mon mari m'a fixé ça. Je vous aurais probablement mis quelques petits plans avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, les fidèles, parmi les fidèles, reconnaîtront peut-être. Attendez, je vous prends dans le temps. Je vous ai posé, ça sera mieux. Je disais, les fidèles parmi les fidèles reconnaîtront peut-être les feuilles de ginkgo que j'avais ramassées lors du Vlogtober de l'année dernière. Ramassées, mises à sécher, on a un petit... comment ça s'appelle d'ailleurs? Une petite presse pour sécher les végétaux que mon papa avait réalisé pour ma grande il y a quelques années. J'en profite, je fais également du ménage sur mes étagères. N'importe quoi, concentration. Donc mon papa avait fait une presse pour que ma fille puisse se faire des herbiers, des choses comme ça. J'avais donc ramassé l'année dernière pendant le Vlogtober. Alors attendez, tout de suite je fais aussi un débrief. J'ai une plaie dans la bouche. Je me suis filé un coup de brosse à dents. Mais un coup de brosse à dents vraiment violent, quoi. Je devais être énervée quand je me brossais les dents. Et bim, je me suis foutu un coup. J'ai mal. J'ai ultra mal. Et puis, vous savez, ça rayonne partout dans la bouche. Donc, bref, j'ai bien mal. Et j'ai mis un petit peu de crème, justement, crème... buccal là pour que ça fasse un peu machin, mais là tout de suite ça me lance, c'est horrible. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir une sorte de patate chaude dans la bouche et j'ai vraiment du mal à parler parce que ça me fait mal en fait quand je parle, ça me tire sur mon bobo. Donc voilà, revenons à nos moutons. Oh là là, mais cette fille, c'est pas possible, j'ai la capacité de concentration de je ne sais pas. J'avais ramassé lors du Vlogtober de l'année dernière des jolies feuilles de ginkgo dès qu'elles étaient un petit peu jaunes et qu'elles tombaient, et je les avais mises à sécher. Totalement oubliées. Alors là, vraiment, bon, j'y avais repensé une fois dans l'année, mais voilà, j'avais complètement oublié. Et là, donc, ma fille avait un devoir à faire pour l'école où il fallait justement faire sécher des végétaux, et en ouvrant la presse, oh, mes feuilles de ginkgo. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ce que j'aurais dû faire logiquement déjà l'année dernière, à savoir les mettre sur une feuille blanche et puis les coller de façon que ça fasse ce petit rendu là, et donc mis sous cadre. Oui, le chat est embêté parce qu'il me voit parler seul et se demande ce qui se passe. Hop là, on n'a pas le droit de monter sur la table. Donc, j'ai pas eu le choix que de le faire. Et puis finalement, tant mieux, parce que je trouve que ça rend hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, parfait. Donc voilà, je suis ravie. Mon mari me l'a donc accroché. Donc tout n'est pas perdu. Il en a profité qu'il avait la perceuse de sortie pour accrocher plein de trucs aussi dans la chambre de la petite. Chambre qu'on a refaite là juste avant de partir en grandes vacances, et du coup c'était resté un petit peu
On avait quasi terminé, mais voilà, il restait un petit peu de la déco à faire et c'est en voie d'être terminé. Donc, tout n'aura pas été perdu. Ah, ce qui n'a pas été perdu non plus, attendez. Gros plan sur la main, génial, trop bien. Le gâteau est fait. Alors, on est où? Bim, le gâteau est fait. Toujours la grosse main devant, super. Donc, là, c'est le moment où je vais me poser. Mais genre vraiment, quoi. Je vais me poser avec mon tricot, avec le podcast de Lauriane. Et puis, j'attends ma soeur, mon neveu. La petite est à son anniversaire. J'aimerais bien qu'on y aille un petit peu la récupérer en avance pour la voir. La voir un petit peu se débrouiller sur son poney. Bref, au tricot. À tout à l'heure. Petit coucou du soir, hein, parce que sinon je vais encore oublier de clore ce vlog et on va encore se retrouver avec un truc qui se termine en queue de poisson. Donc, me voici, me voilà juste, je me suis parée de mes habits de lumière pour aller préparer ma petite soupe de butternut. Après tous les gâteaux qu'on s'est enfilés, je pense que ça nous fera pas de mal. Mais donc voilà, ça c'est le programme de tout de suite après quand j'ai fini. Et puis après, quand la soupe cuit, je viens faire le montage. Vous pouvez donc présentement entendre le chat qui mange ses croquettes, puisque j'ai l'impression que dès que j'enclenche la caméra, il y a soit un enfant qui fait du saxophone, soit une chatte qui mange des croquettes, soit des gens qui font des travaux, j'en sais rien. Mais c'est incroyable, on n'est jamais tranquille. Ça y est, ça l'a vexée, elle s'en va. Donc, le petit coucou du soir, j'ai encore hyper mal à mon bobo là. J'ai vraiment la violence de cette personne quand elle se lave les dents, quoi. C'est pas possible. Je souffre atrocement. Mais on n'est pas là pour parler cucurbitacée et plaies de bouche. Nous sommes là pour parler tricot. Pas grand chose, puisque clairement on ne peut pas être en train de faire. Du ménage, de l'installation de cadres et du transport au centre équestre, on ne peut pas faire des heures de tricot. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors non, on va commencer dans l'ordre. J'ai terminé la manche. Oh, ça m'a l'air minuscule. J'ai terminé la manche. J'ai fait le petit rabat et tout. Bon, une fois que c'est élastiqué, ça va. Enfin, une fois que c'est... Voilà, si on le détend un petit peu, ça ira. De toute façon, je l'avais fait essayer, mais... Ça, c'est petit. J'ai regardé à nouveau là quand j'ai remis mes mailles. Donc j'avais pas du tout, je vous avais dit, j'avais 64 mailles, donc je comprends pas avec les diminutions que j'ai faites pourquoi j'en ai que 32. Oui, bah tout simplement parce que j'en avais pas 64, j'en avais 60 au départ. Donc forcément, je sais pas pourquoi je suis partie sur 64, cette idée que j'avais 64 mailles. Fausse idée. Donc là, c'est vrai que ça a l'air minus. Après, bon, bah quand.
quand il est passé, ça donne ça. Après, voilà, clairement, elle ne pourra pas le relever trop. Mais était-ce de toute façon ce dont on avait besoin? Je ne sais pas. Je vous l'avais dit hier, hein, j'ai juste fait un rabat à l'italienne. J'ai oublié de regarder à nouveau comment s'appelait cette méthode pour tricoter les côtes bien jolies. Non, et là je trouverai pas, donc voilà. Donc une fois que j'ai fait mon rabat, j'ai remis donc mes mailles sur mes aiguilles et en avant guingant, c'est parti. Maintenant ça va être tout droit pendant 90 rangs. Je pense que j'en ai fait une dizaine. Donc mon objectif de ce soir, bien avancé. Clairement pas terminé, mais bien avancé. En regardant la suite, et peut-être fin, je ne sais plus où est-ce qu'on en était, la suite de la série dont je vous ai parlé là, avec Idris Elba, Hijack. Trop bien, vraiment, je continue à vous la recommander, je l'apprécie beaucoup cette série. Et c'est sur, je crois que c'est sur l'Apple TV. D'autres personnes m'ont dit qu'elles l'avaient vue sur d'autres plateformes, etc. Mais voilà, nous c'est sur l'Apple TV qu'on regarde. Donc niveau tricot, on n'est que sur ça, puisque sur ma Cumulus Blouse, j'ai avancé de quelques rangs, quoi, mais voilà, ça fait pas grand-chose. Donc niveau tricot, aujourd'hui, c'était plutôt tranquille. Je n'ai même pas réussi à regarder le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, en entier, alors que c'est d'habitude mon rendez-vous du dimanche incontournable. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai demain. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin encore dans ma boîte aux lettres? Que s'est-il passé? Eh bien, une petite surprise encore. Vous êtes vraiment des amours. Donc, dans ma boîte aux lettres mail, j'ai vu que j'avais un petit cadeau sur Ravelry. Et ce petit cadeau, ah, ça serait quand même bien qu'il me télécharge l'image, sinon je vais vous montrer un écran noir, ce qui n'est quand même pas terrible. Bon, ben, je vais vous le montrer comme ça. Le petit cadeau, c'est ce patron, le patron de Mr. Fox. Mr. Fox ? Non, Fox Doll. Fox Doll, un patron de Claire Garland. Trop, mais vraiment trop choupi. Et ce patron m'a été offert par Alice, Alice is Knitting. Et en plus, Alice m'a laissé un très, très gentil message qui m'a beaucoup touchée. J'adore ces patrons de Claire Garland. Ils sont toujours très, très beaux. J'en avais déjà réalisé et puis donc cette Fox Doll, alors ça tu ne le savais probablement pas Alice, mais ce petit renard était dans ma liste de favoris depuis un moment, enfin depuis sa sortie, je l'avais vu passer sur Instagram. Je trouve vraiment que ces modèles sont beaucoup trop jolis. Alors vous vous rappelez que j'avais fait le petit... je vais peut-être vous montrer mon modèle à moi, celui que j'avais fait. J'avais fait le petit cochon d'Inde. Pour ma grande, voilà, une réussite. Alors après, ça reste des choses assez petites et minutieuses à réaliser. Voilà le petit cochon d'Inde que j'avais réalisé pour ma poulette il y a quelques temps. Donc ça reste des petites choses assez minutieuses à réaliser, mais c'est assez l'éclate quand même. Hein. Oh, la tête de ce cochon d'Inde. Voilà, et qui avait vraiment beaucoup, beaucoup plu à ma poulette. Donc là, bah, le petit renard, il sera clairement pour moi si je le fais. Je pense que je vais quand même attendre que mon épaule soit vraiment correcte avant de me lancer dans des projets où il y a pas mal de manipulations d'aiguilles, où c'est assez minutieux, etc. Mais je suis hyper contente de l'avoir dans ma Patron Tech. Parce que oui, c'est vraiment un petit modèle que j'avais envie de me réaliser. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, hein, ça fait pas beaucoup de contenu tricot, mais une fois de plus, je vais voir déjà avec ce que j'ai fait, ce que j'ai filmé dans la journée. On peut avoir des surprises. Je vous dis à demain. Moi, je vais m'attaquer à ma soupe. Je vais m'attaquer à un petit médicament pour mon bobo et ouais, j'espère vraiment que ça va aller vite mieux. Oh là là, je vous jure, mais est-ce que c'est les 44 ans? Est-ce que ça y est, je suis passée de l'autre côté, tous des tracts, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'un jour sur deux, je viens vous voir pour me plaindre d'un truc où j'ai mal, quoi. C'est quand même... Mais bon,
Allez, demain est un autre jour. Merci pour vos petits messages, toujours aussi nombreux et toujours aussi appréciés. Vous êtes formidable. Vous êtes vraiment top, top, top. Voilà, je suis ravie de passer ce mois d'octobre avec vous. Bisous, bisous. À demain.